Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Lorraine à Metz et j'interviewe aujourd'hui Caroline Jolivet qui est sophrologue et hypnothérapeute. Bonjour Caroline, on va parler aujourd'hui avec toi d'un sujet très difficile, très délicat, douloureux qui est le deuil des enfants et le deuil des petits-enfants, notamment d'un deuil qui survient dans des conditions traumatiques, comme celui d'un attentat, c'est-à-dire d'un enfant qui a perdu un parent dans un attentat. Tu as écrit un livre dont tu vas nous parler. Tu vas nous parler aussi de la genèse de ce livre et on aura l'occasion de détailler tout ça dans le courant de cet entretien. Je te laisse la parole pour te présenter et nous raconter l'histoire de ce livre. Bonjour Evelyne, merci beaucoup pour ton invitation. Donc, en quelques mots, je m'appelle Caroline Jolivet, je suis sophrologue hypnothérapeute. Je me suis spécialisée pour les enfants, bien que je reçoive des adultes, des grands enfants, disons. J'exerce dans les Hauts-de-Seine, à Courbevoie, depuis 2018. Et effectivement, j'ai publié un livre qui s'appelle Répare mon cœur. Et qui traite du deuil chez l'enfant, mais d'une façon un peu particulière par rapport à ce que j'ai pu en tout cas trouver moi quand j'en ai eu besoin. C'est-à-dire que là, je propose un guide plutôt pratique sous forme d'un conte suivi d'exercices où les parents ou les proches de l'enfant endeuillé pourront aller piocher ce dont ils ont besoin en espérant qu'ils y trouvent de l'aide. Alors, j'ai lu ce livre et je peux garantir que les proches vont trouver de l'aide dans ce livre qui est un véritable travail en thérapie, de sophrologie, d'hypnose, de thérapie narrative. Et c'est aussi un excellent outil pour les thérapeutes, pour aider leurs petits patients. Bon bah, effectivement, merci Evelyne, ça me touche beaucoup évidemment venant de toi et avec toute ton expérience. Effectivement, je l'ai aussi fait dans le but de l'adresser aux thérapeutes dans le cadre des séances en sophrologie, en hypnose ou en psychothérapie. Parfois, on a besoin de support. On est quand même nombreux à utiliser des supports. Quand on se retrouve avec des tout petits, on peut être un petit peu décontenancé, dérouté parfois. On peut utiliser le dessin, on peut utiliser des livres. Donc voilà, là c'est aussi en fait combiner des outils que moi j'ai pu mettre en place et puis aussi un discours finalement que spontanément j'ai trouver quand j'ai été concernée par ce sujet et qu'aujourd'hui je souhaite transmettre en quelque sorte à celui ou celle qui se retrouve dans la même situation aujourd'hui. Parce qu'en fait, effectivement, tu as été dans une situation difficile et tu vas nous l'expliquer. Et donc, tu t'es retrouvé face à ton deuil personnel, mais aussi celui de tes enfants, sans outils. C'est-à-dire que tu n'avais pas beaucoup de moyens de les aider, toi, en tant que maman. Et donc, c'est tout ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est arrivé comme drame dans votre famille et qui a mené à tout ce parcours, à tout ce chemin de reconstruction, et qui est aussi un chemin de reconstruction personnelle pour toi. Oui, alors juste avant d'expliquer ce qui est arrivé, simplement, j'ai effectivement remué ciel et terre pour trouver livres, informations, tout ce que je pouvais trouver. Et heureusement, nous avons été très bien accompagnés. Donc là,
Il s'agit de trouver des choses en complément entre les séances, par exemple, si besoin, avec un psychologue ou avec d'autres praticiens. Là, c'est en tant que celui qui est proche, en fait, celui qui se retrouve avec l'enfant endeuillé dans son quotidien. Entre les séances, s'il y a des séances avec un psychologue, qui évidemment sont parfois indispensables et qui donnent de réels outils aussi, évidemment. Mais entre ces séances-là, eh bien, on peut se retrouver vraiment démunis. Hein, et en tant qu'adulte, on se retrouve celui qui doit apporter une réponse. Hein, quand on est avec, moi c'était mon cas de mes enfants avaient 2 ans et 6 ans. Mon fils 2 ans, 2 ans et 4 mois, bon, voilà pour être très précis. Et ma fille un tout petit peu plus de 6 ans, elle venait juste de rentrer au CP. Donc bon, dans le quotidien, tous les jours, les demandes, les questions, les émotions, là on plonge, dans un univers. Que je ne connaissais pas jusque-là. Je souhaite à personne de plonger dans cet univers que désormais je connais bien, en tout cas une partie de cet univers-là. Et là, on a besoin de s'équiper, on va dire, hein. On a besoin de s'équiper au point que, à force de m'équiper, finalement, j'en ai fait mon nouveau métier parce que aujourd'hui, j'ai vraiment besoin, envie de transmettre. J'ai découvert ce mot ce terme de patiente experte aussi. Et en effet, je pense que dans beaucoup de domaines, quand on est comme ça immergé dans une problématique, oui, on en tire de la connaissance et on peut en transmettre des outils. Voilà, si ça peut servir à certaines personnes, moi, pour moi, ça aura beaucoup de sens, évidemment. Voilà, donc. Les outils que que je trouvais étaient notamment des livres vraiment très bien faits, bien sûr, soit des contes sur qu'est-ce que la mort et l'irréversibilité, voilà, donc à travers des personnages, des animaux, hein, des livres qui reviennent souvent, les titres reviennent souvent, ou bien des livres sur les cycles, les phases de la mort. Mais si vous voulez, si tu veux connaître les cycles de la mort quand tu es face à 2 enfants dont la souffrance s'exprime dans le quotidien, ça, oui, intellectuellement, c'est intéressant, ça aide, mais ça ne te dit pas comment aller les faire dormir. Donc, il y a un moment où, quand on se retrouve en réalité dans des situations comme ça, on a besoin d'outils pratiques. Et on en a besoin tout de suite. Oui, parce que c'est Voilà peut-être pourquoi. important que tu expliques ce qui s'est passé, hein, le décès de leur Voilà. papa dans des Oui, conditions tragiques, pour pardon. que les gens comprennent bien que ce n'était pas quelque chose qui a pu se préparer, que c'était brutal et que c'était des conditions traumatiques, donc très particulières aussi, pour toi et pour tes enfants. Voilà, c'est vrai que donc dans notre cas, mon mari était au Bataclan le 13 novembre 2015. Donc, on lui a souhaité de passer une bonne soirée et on l'a jamais revu. Donc, en fait, il y a eu vraiment, hein, ce qu'on dit dans les traumatismes. Il y a vraiment l'avant et l'après. La vie, notre vie à nous, a basculé dans l'horreur, basculé. Du tout au tout. Et en fait, cet effondrement, ce chaos, c'est pas, il y a à la fois l'absence, ce qu'on peut retrouver dans le deuil, dans d'autres deuils, bien sûr, mais évidemment, le fait que ce soit une mort par assassinat terroriste, c'est tout à fait particulier. Et
C'est tout à fait particulier. Ça nécessite aussi des personnes avec qui on va pouvoir en parler, qui ont une connaissance du psychotraumatisme, éventuellement même une connaissance de la problématique de l'assassinat et de l'attentat, du terrorisme. Moi, j'ai eu cette chance de rencontrer des personnes qui étaient très à la pointe de ça. Et donc, et notamment tout de suite dans la cellule de crise qui avait été installée à l'école militaire, donc dès le 14 novembre, j'ai été reçue par la cellule d'urgence médico-psychologique, donc le CUMP, et un psychiatre qui était spécialisé dans le psychotraumatisme. Et j'ai cette image en tête de cette personne qui, contrairement à toutes les personnes que je peux croiser depuis le matin, où il y a une personne qui est ancrée, qui est stable, qui me regarde avec à la fois bienveillance et une forme de compréhension, de connaissance. On dirait que enfin, j'ai un regard qui reçoit, qui comprend. C'est très sécurisant. C'est très sécurisant. Et quand sur un parcours de deuil, alors s'il est traumatique, c'est encore effectivement, enfin, si c'est dans des conditions traumatiques plutôt, effectivement, c'est assez particulier de tomber sur des professionnels de santé ou des professionnels qui finalement n'ont pas ces connaissances de ces particularités du psychotraumatisme. Et du coup, il va falloir, malgré tout, au fur et à mesure, prendre sur soi, prendre du recul par rapport à une forme de maladresse parce qu'on n'est pas dans le même deuil. On n'est pas dans les. Voilà, c'est pas les mêmes histoires. Il y a voilà. Toi, tu sais, le psychotraumatisme, bon. Hein, mais. Donc, Parle-nous là, de c'est. ces maladresses, parce que on a parlé en voix off et je sais, tu m'as raconté quelques petites choses. C'est aussi intéressant que les gens sachent ce qu'il ne faut pas dire. Bon, je pense qu'il y a des maladresses qui sont valables pour toutes les formes de deuil, on va dire. On est d'accord là-dessus. Il y a des. Alors, pour les enfants, notamment, par exemple, des maladresses, c'est oh, bah, ton fils, il était trop petit, il ne s'est pas rendu compte. Et là, c'est vraiment important ce que tu soulignes parce que c'est une maladresse, effectivement, parce que les gens n'ont pas une intention négative. Ce que les Oui. gens ignorent, c'est que pour un petit de 2 ans, de 4 ans, en fait, l'équivalent de la mort, c'est la séparation. Donc ici, effectivement, les deux s'allient, hein, dans un décès. Mais c'est-à-dire qu'un enfant ne sait pas ce que c'est la mort quand il a 2 ans, quand il a 4 ans, même quand il commence à comprendre ce qu'est la mort, il ne sait pas que c'est pas réversible, c'est-à-dire il pense que oui, on est mort, mais on va revenir. Et puis il pense que c'est que les personnes âgées, et c'est progressivement qu'il se dit que c'est que tout le monde meurt, y compris lui. Hein. C'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'avant 6-7 ans, l'enfant, généralement, sauf s'il y a été confronté, c'est pas trop ce que c'est la mort. Donc, ce qui fait trauma pour un enfant, c'est soit de la douleur physique, hein, comme par exemple des enfants qui peuvent être traités pour des cancers, même si c'est avec toute la bienveillance du personnel médical, mais effectivement, toutes les douleurs ou des enfants gravement brûlés. Donc ça, c'est une des causes de trauma chez l'enfant. Et la cause la plus importante, c'est la perte d'une figure d'attachement, ici en plus dans la mort. Mais donc, c'est-à-dire que dire qu'un enfant est trop petit, c'est en fait à cet âge-là qu'il est hypersensible, non seulement évidemment aux réactions de son entourage. Les enfants sont comme des éponges, donc la manière dont l'entourage va vivre
son propre deuil, cette propre séparation va avoir un impact sur l'enfant, mais pour l'enfant, la perte d'une figure d'attachement, c'est ce qui peut faire trauma. Alors, bien sûr, les enfants ont cette plasticité qui fait que quand ils sont bien entourés, ce sont des choses auxquelles ils peuvent traverser. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est vrai que les enfants ont cette capacité s'ils sont bien entourés, s'ils ont des figures d'attachement qui tiennent la route à côté d'eux. Donc, c'est une maladresse parce qu'effectivement, les gens ne le font pas pour nuire, au contraire, c'est pour te rassurer, mais c'est une méconnaissance complète aussi du trauma chez l'enfant, en fait. Oui, et alors c'est vrai que bon, moi j'aimais bien déjà tout ce qui était psychologie quand j'étais ado, donc j'avais lu Dolto, enfin j'avais lu Dolto, j'avais lu certains livres de Dolto, et donc je savais pour avoir lu. Le fait de toute sa pratique dans les pouponnières, enfin, que même sans le langage, il y avait quelque chose de très important qui se passait. Donc j'avais, au contraire, moi, une vision très claire que là, au contraire, chaque mot que j'allais, moi, déposer, chaque action, allait potentiellement, en quelque sorte, aggraver la situation. Et donc, immédiatement, j'ai demandé à parler à un pédopsychiatre pour pouvoir avoir les bons mots ou les bonnes décisions, parce qu'il a fallu prendre certaines décisions pour dire dans les grandes lignes, on a attendu plusieurs jours avant de savoir ce qu'il était advenu donc de mon mari, Christophe. On n'avait aucune nouvelle, mais c'est-à-dire qu'on ne savait pas s'il était dans le coma, s'il était quelque part ou s'il était mort. Et il a fallu attendre de nombreux, enfin, jusqu'au lundi soir. Donc, cette période d'incompréhension aussi, ce moment-là où toute la famille débarque et en fait, les enfants étaient quand même. Ça a été très très particulier. Particulier, c'est un mot. C'est inexplicable finalement. Donc, mais j'avais cette conscience qu'il allait falloir comme un poids sur les épaules de se dire bon, ok, là, moi, en quelque sorte, je peux aggraver tout ce qui va se passer dans la suite de leur vie, ou bien limiter au maximum la casse. Donc, en fait, c'était dans cette logique que j'ai été tout de suite, c'est comment je fais pour limiter la casse. Et ça a été c'est ce qui a guidé toutes mes décisions. Je limite toujours la casse, j'essaye toujours de les préserver de ce que je sentais pas bon pour eux, ou d'aller vers quelque chose qui semblait leur convenir, ou des liens, etc. Donc, voilà. Donc, évidemment, le parcours qu'on a eu dans cette histoire d'attentat, c'est un très long chemin, avec encore cette année le procès, et les enfants ont dû réélaborer, repenser les événements à chaque fois, à chaque étape. Et je pense que c'est ça aussi qui est très endurant, un peu comme un marathon, en fait, dans le deuil, et qui est éprouvant pour celui qui accompagne, ou pour ceux qui accompagnent l'enfant endeuillé, c'est que à chaque étape de son développement, à chaque étape pour lui, en tout cas, il va avoir, alors je ne sais pas si je peux en faire une généralité, en tout cas, bon, moi c'est ce que j'ai observé, besoin de qu'on refasse le récit, qu'on réexplique, de reposer peut-être d'autres questions pour avoir encore un autre éclairage. Et à chaque fois, ce qui va être très important et un conseil que j'avais reçu dès le début, par les psychologues qui ont accompagné les enfants,
qui sont vraiment deux personnes aussi formidables, c'est d'adapter les mots, d'adapter le langage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on va pas expliquer, j'allais pas expliquer à mes enfants de 2 et 6 ans qu'il y avait une cellule terroriste en Europe. Enfin, voilà. Donc pour moi, c'était important de ne pas mentir. Ça, c'était hors de question. Donc, il fallait réfléchir à bien adapter. Adapter pour que ce soit qu'il y ait quelque chose, une communication qui se fasse, qui est quand même le message qui soit bien entendu, reçu. Et donc, au début, ça a été, il y a un méchant a tué papa. Et c'est pas de la faute de papa, c'est pas de la faute des enfants. Il faut bien leur dire, parce que dans le deuil d'un proche, il y a finalement les émotions qu'on va retrouver chez les adultes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément surprise et que j'ai vraiment découvert, c'est que les enfants puissent me poser les mêmes questions que je me posais alors qu'ils étaient si petits, ou faire les mêmes réflexions avec leurs mots que celles que je pouvais me faire intérieurement en tant qu'adulte. Tu peux donner des exemples? Oui. Eh ben, pourquoi je n'ai pas sauvé papa, par exemple. Ma fille qui a tout de suite dit, j'aurais. Et ça a été des discussions jusqu'à minuit pendant plus de 2, 3 ans, hein, avec les deux. C'était vraiment le besoin d'en parler le soir tard, un peu fatigant. Mais voilà, et moi j'ai été. Il fallait que je leur réponde. Mais. Donc, par exemple, j'aurais dû, ma fille qui avait 6 ans, donc j'aurais dû mettre mes bottes, courir, le prévenir. J'aurais dû l'empêcher de sortir de la maison. J'aurais dû, et donc cette culpabilité que moi je n'exprimais pas auprès des enfants, donc en fait je savais que je faisais quand même attention à ce que je disais devant eux, hein, que je ressentais très fortement de qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter qu'il aille à son cerf. Pas grand-chose, mais voilà. Et en fait, eux-mêmes et mon fils, donc, qui avait 2 ans, et puis ensuite, voilà, les questions, ça a été assez rapidement parce qu'il a développé complètement son langage comme s'il voulait poser les bonnes questions. Et lui, il demandait, mais. Il disait, moi j'aurais dû courir, aller prendre du miel, le coller dans les yeux et les cheveux du méchant pour qu'il puisse pas. Et puis bon, ça débouchait quand même sur de la rigolade après, ah oui, du miel, voilà. Donc on arrivait quand même à. Mais ce sont cette culpabilité de rien, cette impuissance. Et puis aussi les réflexions des enfants sur l'injustice. L'injustice, pourquoi ça leur est arrivé à eux, pourquoi, comme si. Enfin, donc, toujours avec la nécessité de rassurer, de donner le cadre exceptionnel, de dire que non, très 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 rare, parce que évidemment en parallèle ça a été relié à une peur sans nom que de la de ma que moi-même je disparaisse, qu'ils allaient me perdre, que et ils allaient perdre finalement potentiellement toutes les personnes qu'ils aimaient. Tu soulèves déjà beaucoup de choses, hein. Il y a une chose très importante que tu as commencé à dire, c'est qu'il faut expliquer que ce n'est pas de leur faute parce que des enfants si petits sont dans ce qu'on appelle la pensée magique, hein. Donc les enfants sont égocentrés et donc ils pensent que le monde tourne autour d'eux. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement leur développement. Et
Souvent, les enfants pensent que si une personne meurt dans leur entourage, c'est de leur faute. C'est parce qu'ils n'ont pas été gentils ou c'est parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose de bien. Et tu soulèves des choses aussi très, très importantes. C'est la culpabilité et les sentiments d'injustice. C'est-à-dire que très, très jeunes, les enfants ont déjà des émotions qui sont déjà presque, j'ai envie de dire, nuancées. C'est-à-dire il y a déjà tout un panel, sentiment d'impuissance, sentiment d'injustice. Et donc, je trouve que tout ce que tu dis est vraiment très, très intéressant et très utile pour les personnes qui vivent des situations parallèles d'entendre tout ce que tu es en train de dire. Quelles ont été pour toi les difficultés les plus importantes auxquelles tu as été confrontée avec les enfants? Donc, comment tu as aussi répondu à cette culpabilité, à ces sentiments d'injustice? En fait, c'est vraiment pouvoir. Ben, c'est dans les difficultés. C'est effectivement très éprouvant d'avoir cette répétition, ce besoin d'être assuré, cette anxiété de l'enfant, cette peur très très forte. Notamment, ben. Voilà. Une des difficultés les plus grandes que j'ai eues, qu'on ait eues, c'était de déposer surtout mon fils à l'école. Ça a duré plusieurs années d'arriver à le laisser à la grille de l'école. Ça, c'est alors c'est quelque chose qui, je le sais, se produit avec pour d'autres raisons avec d'autres enfants et parfois il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de, semble-t-il, de Oui, problème parfois, on mais passe souvent effectivement dans les deuils et dans les traumatismes, hein, il y a ce qu'on appelle l'attachement anxieux où l'enfant s'accroche effectivement aux proches qui le rassurent. voilà. Et là, bah, c'est alors vraiment dans le l'idée de s'accrocher et de s'attacher. Là, on est presque, on était presque, mais je dirais pas forcément complètement au passé par moment. C'est le côté animal, hein, de il y a quelque chose qui est, on ne doit pas se séparer à ce moment-là. Et l'école, la vie, la société, la vie qui continue, cette phrase-là que j'ai haï au début, hein, la vie continue. Ah bon? La vie continue, mais pas pour, non, pour mon mari, elle s'est arrêtée, donc elle ne continue pas. Je n'aimais pas cette phrase. Aujourd'hui, je suis obligée de constater que la vie a continué. La vie, oui, la vie continue. Mais ce genre de phrase, il y a des choses comme ça qui peuvent être très percutantes, très douloureuses pour quand on les comme ça abreuve. Et parfois, il y a un chemin qui a été fait de l'autre côté et pas qui. Il faut pas l'imposer, en tout cas. Faut pas imposer son, là où on en est dans son propre chemin. Il faut être vraiment au rythme à la fois de l'adulte, mais de l'enfant, c'est pareil. On va pas imposer ce qu'il devrait, là où il devrait en être, là où il devrait. Et plutôt écouter. Où est-ce que, comment vas-tu? Finalement, ça va être ça, la question. Ça va être, mais, et quel que soit le temps passé, alors, dans les maladresses, tu me demandais, il y a, on a malheureusement, et on a eu affaire à des enseignants qui étaient maladroits. Et finalement, et donc une personne qui a dit, qui m'a dit pour mon fils, bah, il va falloir qu'il s'habitue. Alors, il faut qu'il s'habitue à perdre, à avoir perdu son père. C'était d'une élégance rare. J'avais déjà largement les épaules pour recevoir ça, heureusement. Elle m'aurait dit ça l'année qui suivait, ça se serait pas très bien passé. Enfin, dans le sens où moi, je me serais peut-être effondrée qu'on puisse me dire une chose pareille. Il faut s'habituer. Il y a beaucoup, il peut y avoir beaucoup de violence aussi dans la maladresse. Et je ne sais pas si l'intention était vraiment très positive. Il y a une autre maladresse,
c'est celle du silence. Je sais pas si on peut parler de maladresse, mais comme on ne sait pas quoi dire, on ne va rien dire. Et au point que la personne disparue n'a jamais existé. Et ça, c'est d'une violence pour tout le monde qui est terrible. De la faire disparaître complètement pour que ça ne dérange pas l'ambiance. Et en fait, dans notre quotidien, dans le quotidien avec les enfants, l'important, c'est les enfants qui sont en deuil, ils ont besoin de trouver une autre forme de lien avec la personne qu'ils ont perdue. C'est ça qui va permettre cette cicatrisation, hein, qu'est le deuil. C'est quand le lien, là, finalement, quand ils vont pouvoir penser à, là, en l'occurrence, à leur père, mais à la personne qu'ils ont perdue, d'une autre, avec parfois un sourire, parfois, voilà, quelque chose qui va être plutôt paisible autrement. Là, je Et ne c'est peux pas certainement pas d'arrêter. m'empêcher, je ne peux pas m'empêcher de souligner l'importance, hein, de ce que tu dis. Parce que c'est vrai que, bon, déjà, ne pas parler d'une personne alors que l'entourage a envie d'en parler, enfin, l'entourage proche comme tes enfants ou toi, s'est tué la personne une deuxième fois. Mais effectivement, tu soulignes quelque chose d'important, c'est qu'un deuil réussi, ce n'est pas d'oublier le défunt, ce n'est pas de faire une croix sur la vie qu'on a eue avec lui, et c'est au contraire d'établir un autre lien qui est un lien plus interne. Hein, c'est vrai que Freud disait, ben, en fait, quand quelqu'un meurt, on lui a mis, on l'a investi, hein, comme il disait, on reprend cet investissement et puis on va mettre cet investissement sur quelqu'un d'autre. Alors maintenant, on ne conçoit plus du tout le deuil comme ça. Au contraire, on pense que le deuil, c'est de créer un lien intérieur avec le défunt et que c'est ça un deuil réussi. Hein. Donc les conceptions ont beaucoup changé et je veux ça, souligner ça pour les gens qui écouteront cet entretien, c'est que c'est vraiment essentiel. Et donc si la personne est prête à parler, parce qu'effectivement d'autres endeuillés ne veulent pas parler, mais c'est de pouvoir en parler, c'est-à-dire de rendre ce lien vivant, même si la personne n'est plus vivante. Voilà, et c'est vrai que les enfants, ils ne se suivant l'âge et suivant ce qu'ils comprennent des un peu des formalités, on va dire, des bienséances. Hein, social, familial, etc. À un certain âge, ils comprennent quand ils ne peuvent pas parler de ça. Ça ne veut pas dire que ça leur fait du bien de s'interdire d'en parler. C'est très éprouvant pour eux. Et donc, en général, après, quand la soupape s'ouvre, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Mais parfois, ce silence de l'adulte, il peut faire violence. Et l'enfant aussi, parfois, veut protéger l'adulte qui sent incapable de parler de ce sujet et donc va respecter très, très fortement à la lettre, en fait, ce silence. Et donc, lui va se murer dans le silence. Et inversement, un enfant qui va être peut-être plus petit et qui du coup n'a pas encore forcément conscience de toute, qui va pas forcément ressentir ou repérer, je ne sais pas, va annoncer dans un environnement, par exemple dans un magasin, ça m'est arrivé avec plusieurs fois moi avec mon fils, parce que il a un contact, parce qu'il y a quelqu'un, un commerçant qui est sympa d'un coup. Qu'on ne connaît absolument pas et qui va lui dire, ben voilà, mon papa a été à un concert, il a été tué, il est mort. Alors bon, là, il y a des personnes qui en face se décomposent. J'en rigole un petit peu parce qu'on a comme ça des situations aussi qui peuvent être un petit peu comiques, on va dire. Et moi, surtout, l'important, c'est que quelqu'un
accueille ce qu'il avait besoin de dire à ce moment-là. Et du coup, bon, bah, quand c'est avec moi, c'était facile. Je pouvais recueillir cette parole et dire, ah oui, effectivement, et comment tu te sens, etc. Enfin, voilà, s'il avait besoin d'en parler à ce moment-là, bah, c'était à ce moment-là. Mais donc, une sorte d'incongruité. Et le fait est que le deuil est encore un sujet qu'on ne devrait vivre qu'en privé. Et bien sûr qu'il y a quelque chose de très intime hein, dans le deuil. Mais le deuil, quand on va travailler, quand les enfants vont à l'école, on ne peut pas le garder, fermer la porte. Hein. Il y a certaines personnes qui disent, ah, quand vous arrivez ici, vous laissez vos émotions et ce qui se passe chez vous à la porte. Et hein, oui, bien sûr. Alors, quand on est fort en auto-hypnose, en dissociation, on peut se débrouiller un petit peu. Mais non, ça, c'est pas une réalité. C'est quelque chose qui. Il y a quelque chose un peu violent dans le fait de nier le deuil dans la société. C'est que les personnes ne peuvent pas prendre le temps dont ils ont besoin. Et en plus, on leur exige en quelque sorte un temps. C'est-à-dire d'autres maladresses, je continue avec ça, mais c'est alors t'en es à quelle phase? Oui, alors, quoi? Au bout de 2 ans, t'en es que là? Non, mais attends. Alors que c'est vrai que quand on est accompagné par des spécialistes du deuil, du traumatisme, etc., eh ben, on découvre aussi que dans le processus psychique, il y a un temps qui n'est pas le temps de l'horloge, en quelque sorte, et que eh ben, si ça prend plusieurs années, si ça prend 10 ans, ben, peut-être que... Alors, il faut bien voir si on est bien accompagné, si ce qu'on peut faire, hein, on n'est pas obligé non plus d'attendre. Ouais, c'est bien sûr, mais c'est ça, c'est maladroit aussi, c'est difficile à recevoir. C'est vrai que c'est un long chemin, hein, le deuil, et que dans cette société, tout doit aller vite. Et donc, il y a une incompatibilité entre le processus du deuil et le rythme de notre société. Et surtout, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que ça dérange les gens quand quelqu'un ne va pas bien, quand quelqu'un est en deuil. Hein, on voudrait que tout le monde aille bien, c'est plus facile à gérer aussi pour soi-même. Donc, oui, je pense que ça, c'est un long chemin. Et c'est aussi un chemin qui peut être riche, hein, ça c'est un petit peu brutal ce que je dis, mais c'est vrai que c'est à la fois très douloureux, mais à la fois on s'enrichit aussi de beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que on ouvre quelque chose, on ouvre une connaissance une autre perception de la vie, une autre perception de l'essentiel, une autre perception de l'importance de se réjouir de petites choses. Enfin, là, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lesquels on a beaucoup, enfin, qui aide beaucoup les enfants, c'est d'aller chercher les petites choses qui font plaisir. Par exemple, nous, bah, on regardait beaucoup les escargots sur le chemin de l'école, par exemple, ou les fleurs. Enfin, et là, c'était ah, la joie de découvrir ces escargots et ces fleurs et avec et quel est le nom des fleurs, et le moindre soleil, rayon de soleil, oh, voilà. De pouvoir s'extasier en même temps qu'on souffre, on peut aussi aller chercher du beau, aller chercher quelque chose qui fait beaucoup de bien, et montrer aux enfants comme ça fait du bien. Et parce qu'on va leur montrer aussi, ben, ils vont pouvoir accéder à ce qui leur fait du bien. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du mimétisme aussi avec celui qui accompagne l'enfant en deuil. C'est pas lui imposer que ça doit faire du bien, c'est de l'ouvrir à certaines activités ou certaines choses, observer là où il est bien, là où il s'apaise, et de le laisser se nourrir de ce qu'il apaise au fur et à mesure et dans son temps.
Sachant que, bien sûr, il y a ce mouvement du deuil et cette réélaboration, ce besoin de refaire le récit, de recomprendre les choses, qui va venir à chaque fois qu'il va passer un cap lui-même dans son développement et qu'il y a des choses qui sont propres au développement qui, de toute façon, se seraient passées, mais qui peuvent être à chaque fois aussi accentuées par par le retour, la réactivation de cet événement, et donc toutes les émotions qui sont associées. Et quelles sont les difficultés principales auxquelles tu as été confrontée avec tes enfants? Tu parlais des troubles du sommeil, par exemple. Ah oui, alors effectivement, donc trouble du sommeil, ça a été, ben, oui, ça a été le numéro un pendant, je dirais, plus de 2 ans et demi, presque 2 ans et demi, 3 ans. En fait, jusqu'à presque ce que je me forme à la sophrologie et que je trouve comment leur faire une induction, en fait, le soir. Et là, hop, ils sont endormis. Et c'est ça qui a fait l'objet, en fait, de l'autre livre que j'ai fait sur la petite coccinelle et la valise du sommeil, puisque c'est, en fait, je m'étais formée à la méditation pour enfants, à la sophrologie, je me suis spécialisée pour les enfants, et j'en ai fait aussi une aide, un guide pour le sommeil. Le sommeil est souvent impacté quand il y a un événement, de toute façon, quelque chose qui se passe dans la vie des enfants, mais des adultes aussi d'ailleurs. Hein, le sommeil, c'est toujours être vigilant, le sommeil, l'alimentation, la concentration. Et ça, bon, en l'occurrence, là, le sommeil, ça a été. Il se trouve qu'ils dormaient quand leur père est mort. Donc, quand ils se sont réveillés, ils n'avaient plus leur papa. Donc, dans notre histoire, bah, la nuit avait quelque chose d'extrêmement dangereux. On sait très bien que déjà la nuit pour les enfants, c'est pas simple. Parfois, enfin, les cauchemars, etc., dormir dans le noir. Alors, quand il s'est passé quelque chose la nuit, bon, bah, alors là, ça devient extrêmement compliqué. Et quand ils veulent plus dormir, ben, celui qui est à la maison, celui qui reste, il peut pas aller se coucher. Donc, ça, c'est compliqué. Tu nous dis un petit mot de ton livre, La petite coccinelle et la valise du sommeil? Alors donc c'est la petite coccinelle et la valise du sommeil, c'est comme une mini séance de sophrologie. Donc le début c'est une histoire, en fait c'est une induction sophrologique, donc on descend dans le sommeil. Je l'ai fait de manière à ce que la personne qui le lit à l'enfant puisse le lire à la manière d'une sophrologue, avec des temps de pause, hein, qui va comme ça plonger en fait l'enfant dans le sommeil. Je l'ai aussi enregistré, j'en ai fait une version audio parce que comme ça, si le parent a besoin de dormir en même temps, il peut s'endormir en même temps, il n'est pas obligé de le lire. Et puis, je l'ai fait suivre d'exercices qu'on peut faire avant d'aller se coucher. Par exemple, si on a des peurs, des cauchemars, etc., ben on va écraser ses peurs, on va jeter ses angoisses, on va chercher du calme, et tout ça, c'est basé sur des exercices de sophrologie, donc voilà, que je pratique aussi en séance, et là, bon, on peut puiser, piocher, en fait, en fonction de ce qui correspond. En tout cas, je recommande chaudement tes deux ouvrages parce qu'ils sont pleins d'outils pratiques pour les proches, donc c'est vraiment très important. Je remettrai évidemment les coordonnées de tes livres sur la petite vignette de présentation de cette vidéo. Merci. Et qu'est-ce que tu as eu comme autre difficulté avec tes enfants? Donc en numéro 1, les troubles du sommeil. En numéro 2, tu mettrais quoi?
La difficulté à se séparer, ça c'est vraiment le très très ça a été très très dur parce que en réalité bah, effectivement le deuil ne se vit pas entre quatre murs, il est présent dans tous les domaines de la vie de l'enfant et de l'adulte, mais tous les domaines de la vie de l'enfant. Ce qui fait que quand il va à l'école, il veut pas aller à l'école parce que il faut comprendre que dans sa tête, il y a un risque de mort imminente d'aller à l'école, soit pour lui, soit pour la personne qui reste. Donc, bon, bah, à un moment, si on ressent ça, on n'a pas non plus envie d'y aller. Comme moi-même, j'avais un stress post-traumatique. Honnêtement, j'étais pas très convaincue qu'il allait rien se passer, donc c'était quand même extrêmement compliqué. Ce que je tiens à dire, c'est que on a eu une immense chance pour le coup dans les premières années de toute cette histoire, c'est que les enseignantes de mes deux enfants ont été des alliées incroyables. Les enseignantes, la directrice aussi de l'école à l'époque de mon fils, elles ont été de réelles alliées. Et on a besoin d'alliés dans tous les domaines pour assurer ce temps de réparation à l'enfant. Donc, il n'y a pas eu de remise en question du temps, que ça ne s'arrangeait pas en fait, que cette peur de me quitter pour aller à l'école, elle était toujours la même. Au départ, mon fils était à la crèche, c'était pareil pour la crèche. Après la maternelle, ça a été. Mais d'avoir des alliés et les dames de la crèche, elles aussi, elles étaient formidables. De prendre l'enfant, de le rassurer, c'était une autre forme d'attachement aussi au sein de l'école. Alors on dit, il faut pas trop s'attacher, il faut pas être trop en lien d'affection avec la maîtresse. Il y a des cas où, en fait, si c'est ça qui va permettre de laisser l'enfant se développer, parce que bien sûr qu'il y a eu quand même des conséquences sur. Des conséquences immédiates parfois de régression, de choses comme ça. J'ai aussi eu la même maîtresse qui m'avait dit qu'il fallait que mon fils s'habitue, m'a dit on peut pas faire un cas particulier sur et moi qui suis plutôt voilà discrète et qui dit oh oui bien sûr etc. Mais finalement rétrospectivement je me dis mais non, en fait, malheureusement, il faut pouvoir faire des cas particuliers parce qu'on ne peut pas briser plus des enfants qui sont déjà en grande souffrance. Je le dis pour le deuil, mais je le dis pour chaque enfant qui vivrait quelque traumatisme que ce soit. On a besoin qu'il y ait des alliés. Et pour ça, on a besoin qu'il y ait une formation. Alors, peut-être pas au psychotraumatisme, mais au moins une formation de toute personne en contact avec les enfants durant la journée, de la formation au deuil, pour que ces personnes, les enseignants, les personnes dans les activités aussi périscolaires, puissent bien, finalement soutenir l'enfant, même si c'est. Par un guide dans les grandes lignes, on va dire. On n'est pas obligé de faire une formation très longue, mais d'avoir un peu les grands principes pour être aussi dans l'acceptation de ce qui se passe pour lui, en fait, à ce moment-là. Donc, cette notion pour moi d'allié, elle est très importante. Elle est importante dans la famille, elle est importante dans les alliés qu'on peut avoir dans les thérapeutes, qui vont être des alliés de long terme et aussi à l'école. Oui, à l'école, c'est très important, hein, parce que tu disais, bon, il y a certains profs qui disent, bah, il faut pas s'attacher. En fait, l'enfant ne peut se détacher, c'est-à-dire ne devenir autonome,
que s'il s'est attaché. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant qui perd une figure d'attachement aussi importante qu'un papa, et ça, c'est vrai pour tous les deuils, alors c'est certainement encore plus vrai dans les deuils traumatiques, mais perdre un parent, perdre une maman, perdre un papa, perdre un frère ou une sœur, mais parfois aussi perdre des grands-parents, hein, il y a des grands-parents qui sont très très proches de leurs enfants. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile, comme je le disais tout à l'heure, pour les enfants, qui peut être traumatique. Donc cet enfant, il a besoin de retrouver d'autres figures d'attachement qui vont aussi compenser, qui vont le rassurer, le consoler, etc. Et donc en fait, un enfant deviendra d'autant plus vite autonome, il va se reconstruire d'autant plus vite qu'on lui permettra de s'attacher. Hein. Donc, comme je dis toujours à mes patients ou à les gens que je forme, il n'y a aucune crainte. À un moment, les enfants ou les adultes en thérapie qui s'attachent aussi quand ils ont vécu des traumas très, très lourds dans l'enfance, par exemple, et bien à un moment, ils se détachent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment plus leur thérapeute ou qu'ils n'aiment plus leur prof ou leur institutrice, etc. Mais tout simplement, ça reprend sa juste mesure. Et par rapport à la formation, c'est vrai que dans les grandes lignes, ce serait important parce que il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont confrontés, heureusement pas à des deuils aussi traumatiques, mais qui perdent un parent, un grand-parent, un oncle, et donc aussi les animaux domestiques. Et les animaux domestiques peuvent être hyper investis par les enfants. Donc la question de la mort et de comment on réagit par rapport à la mort. C'est très important, souvent que surtout les adultes qui peuvent aussi avoir une... Les adultes qui ne sont pas très proches de l'enfant peuvent aussi être très maladroits par rapport à la mort d'un animal domestique ou en disant mais ce n'est qu'un chat, sans comprendre ce que ça représente dans l'univers de l'enfant. Donc, dans les choses que tu dis, bien sûr, pour les deuils traumatiques, mais aussi pour des deuils qui sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, banals et beaucoup plus dans le quotidien, mais les enfants sont quand même souvent confrontés à des décès, même petits. Oui, et c'est sûr que de pouvoir avoir des appuis comme ça va aider l'enfant à aussi à se mettre en confiance, alors que inversement, si il est dans une période, par exemple, de date anniversaire, ou tout simplement qu'il est dans une période où il traverse un moment de rappel du deuil et de l'absence et qu'il le vit très fortement, que à l'école il n'arrive plus à se concentrer. Immédiatement, il y a les conséquences, elles se voient immédiatement. Il peut y avoir une agitation, il peut y avoir un désintérêt, un désinvestissement. Et si on n'a pas cette complicité, Les troubles pardon, de la concentration aussi, voilà. troubles de l'attention aussi. Exactement. Et si on n'a pas cette complicité finalement, ou cette complicité en tout cas, voilà, quelque chose d'un peu établi sans que ça prenne trop de place, évidemment, pour l'enseignant, mais bien, l'enfant, il va subir une deuxième injustice, c'est qu'on va lui reprocher finalement sa souffrance à ce moment-là. On va lui dire, bah, non seulement t'es pas bien, mais en plus t'es nul en quelque sorte. Et enfin, en tout cas, c'est ce qu'il va peut-être ressentir, c'est que finalement, bah, il n'arrive plus. C'est un peu comme voilà, une impasse pour lui. Plutôt que de dire, bah, voilà, aujourd'hui, ça n'est pas ton jour. Mais tu feras mieux demain, c'est pas grave, et d'avoir cette connaissance intérieure, cette connaissance finalement, cette connaissance implicite entre l'enseignant et le proche, que oui, il y aura des moments dans l'année où il n'ira pas bien, c'est pas contre lui, c'est pas qu'il n'a pas envie, mais peut-être qu'il ne peut pas. Et si sa tête est complètement occupée, finalement, dans la perte, dans l'absence, dans le deuil, dans l'injustice et dans d'autres choses, ben, il n'a pas forcément la capacité de stockage, d'apprendre de l'orthographe, d'apprendre des mathématiques. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Dans les études sur le deuil, on sait qu'il y a quand même des répercussions sur les résultats scolaires.
Il y a des répercussions sur l'estime de soi, il y a des répercussions sur le lien à l'autre, parce qu'il y a aussi cet isolement, cette idée que finalement ça nous est arrivé à nous, pourquoi, et donc on est trop différents, il y a ce décalage, les enfants le ressentent fortement. Ensuite, on peut leur toujours les rassurer finalement sur tous les aspects. Pour dire que finalement, toi, tu as vécu cette perte-là qui est terrible. Tu sais, il y a d'autres enfants qui vivent aussi des choses tout à fait difficiles. En gros, de le normaliser en quelque sorte, retrouver un peu quelque chose que les difficultés de la vie, elles peuvent prendre différentes formes pour différentes personnes et qu'on n'est pas toujours au courant de la même façon que bah, nous, on ne va pas toujours raconter comme ça. Bah, les autres ne nous racontent pas forcément tout. Voilà, donc cette notion vraiment d'allié, qui va être fondamentale à mon sens. Oui, ce qu'on appelle aussi les tuteurs de résilience, hein, c'est les tuteurs qui permettent finalement de grandir et donc de dépasser les traumatismes. Donc les alliés, c'est aussi un très très joli mot. D'accord. Un tuteur de résilience. Et alors, comment est-ce qu'on répare son cœur? Voilà, Comment est-ce qu'on peut aider les enfants à réparer leur cœur? donc le titre, en fait, c'est vraiment Répare mon cœur, ça vient vraiment de mon histoire. Mon fils qui m'a dit un jour, dans un moment de grande souffrance, que son cœur, de toute façon, était cassé, que donc il ne pourrait pas être heureux. Donc c'est une phrase qui vous tord qui te tord les boyaux. C'est vrai que voilà, donc réparer une souffrance qu'on ne voit pas. C'est aussi le sujet de la souffrance invisible, la souffrance psychique. Pourtant, elle fait mal, cette souffrance psychique. Elle se voit pas, parfois elle commence à se voir tellement elle fait mal, elle commence à se voir sur le corps, parce que le corps, il parle, hein, il l'exprime. Donc là, c'est de ça que je suis partie, en utilisant aussi tout ce que j'avais mis en place dans le discours pour mes enfants. C'est papa est mort, mais heureusement, il nous a laissé tout sa force, tous ses bisous, tout. Heureusement, il nous a tout laissé. Donc, en quelque sorte, il est prévoyant, il est cool parce que du coup, on a besoin de quelque chose, on va aller en chercher. Pour la petite histoire, moi, je leur montrais souvent en ouvrant le bocal de cornichons que j'avais beaucoup de mal à ouvrir et que j'aurais naturellement passé à mon mari. Qui était très costaud, et je leur disais, regardez, voilà, heureusement, papa m'a donné sa force, regardez, et hop, et on était tous les trois à dire, oh là là, on est très fort. Voilà, donc c'est de prendre, en gros, qu'est-ce que celui qui n'est plus là a pu laisser d'y penser. Faire attention aussi à l'idéalisation, hein, évidemment, je pense qu'il y a un classique, que la personne qui n'est plus là va être quand même idéalisée. Donc, d'avoir ces anecdotes, ces récits qui seront pas forcément toujours aussi à l'avantage. Alors, on n'est pas obligé d'être complètement négatif, mais papa, il laissait ses chaussettes par terre. Voilà, bon. De normaliser aussi la personne qui n'est plus là, et quand c'est un parent pour l'enfant, ben forcément, je pense qu'il devient exceptionnel, extraordinaire, etc. Ce qu'il était, hein, mais il y avait aussi
Voilà, de retrouver un peu de ce qu'ils peuvent normaliser pour eux-mêmes aussi accéder à quelque chose d'un peu normal, pas rechercher toujours quelque chose d'exceptionnel pour eux-mêmes quand ils grandissent. Donc réparer pour réparer son bon, réparer mon cœur, c'est d'abord de pouvoir évoquer cette la personne décédée, d'en parler et de ne pas parler uniquement de la mort de la personne décédée. Cette personne, elle n'a pas existé, elle n'existe pas qu'à travers le jour de sa mort. Ça, c'est valable pour tous les deuils. C'est de recréer la place pour ce qui a été. Qui a été dans ce lien, tous les moments de vie qui ont existé avant ce jour-là. Et donc, pour ça, on peut dire bah, voilà, parle-moi de ton papa, parle-moi de celui que tu as perdu. Dans l'histoire, dans le petit conte que je mets avant, donc c'est ce petit garçon qui a tout essayé pour retrouver. Son papa le faire revenir et qui n'arrive pas puisqu'il constate qu'il n'y a rien à faire et qui dit que donc son cœur est cassé et que voilà, il n'y a rien à faire pour réparer ce cœur-là. Cette tristesse, elle est trop grande. Et que finalement, il va conseiller le lecteur de comment on peut faire pour aller chercher à réparer ce cœur. On va prendre un peu d'amour de celui qui est parti. On va prendre un peu de sa force, un peu de ses souvenirs, un peu des moments partagés ensemble, etc. Et que ça va faire du bien. Voilà. Et donc la partie guide, et toi, est-ce que ton cœur est cassé? Est-ce que tu as besoin, finalement, toi, de réparer ton cœur? Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et de lui permettre, s'il a envie de répondre, bah oui, il s'est passé que mon papa est mort. Et ça peut être effectivement un outil pour les thérapeutes de partir d'une histoire, d'un support comme ça, d'évoquer cette histoire-là, puis de dire, bah et toi? Voilà, puis de voir, de dérouler, de voir. Donc, donc on va parler d'abord de du défunt, de le laisser parler. Est-ce qu'il avait des qualités, des défauts? Qu'est-ce qu'il aimait? Qu'est-ce qu'il n'aimait pas? Comment il était? À quoi il ressemblait? Des choses un peu voilà, de le faire exister aussi, de lui redonner un peu de matière. Et puis que l'enfant puisse aller poser les questions. Ah bon, mais alors moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il aimait, en fait. Je ne sais pas. Et qu'il puisse aller poser des questions. Ah bah tiens, toi, tu le connaissais. Est-ce qu'il aimait bien son travail? Est-ce qu'il aimait bien faire de la musique, etc. Qu'est-ce qu'il aimait? Donc, de le refaire exister autrement que par le jour de sa mort. Et puis, ensuite, de voir effectivement où est-ce que ça fait mal, comment ça fait mal à l'intérieur. Cette souffrance psychique, en fait, de l'enfant, hein, qui n'est pas réservée aux adultes. Donc, ah bon, mais ça doit faire très mal d'avoir perdu ton papa. Mais est-ce que c'est de la. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère? Qu'est-ce que tu ressens? Et puis, voilà, de parler des émotions, de se laisser guider par ses réponses, hein, de ne pas amener ses propres réponses, mais bon, de le laisser piocher. Ah bah oui, ça, parce que parfois, c'est parce qu'on va quand même proposer certaines choses qu'enfin, il va aussi avoir un écho avec ce qu'il ressent. Ah bah tiens, en fait, ce que je ressens existe dans l'univers, en quelque sorte. Donc, c'est normal. Ah oui, c'est de la tristesse. Mais quelle taille elle a, ta tristesse? Est-ce qu'elle est comme ça? Ah non, non, elle est grande comme ça, ma tristesse. Ah bon, mais à quel moment, quand? Est-ce que c'est tous les jours que tu as cette tristesse-là? Comment?
Et voilà, on va parler de cette de ce cœur qui souffre. Alors s'il dit bah, c'est pas le cœur, c'est dans la tête, bah, on va adapter, hein. On va pas s'embêter. Et puis voilà, donc moi j'ai mis en place une forme de protocole en quelque sorte que je propose et que j'utilise en séance pour le deuil, mais aussi pour tout grand changement de vie qui crée comme ça, une souffrance, un déménagement, j'ai quitté l'école, j'ai plus mes copains, et voilà, toute situation finalement qui pourrait évoquer les situations de deuil. De séparation et donc de deuil, oui. Voilà, donc je fais dessiner le cœur. Montre-moi sur ton cœur où est-ce qu'elle est ta blessure en quelque sorte. Si tu devais la représenter par une couleur, alors j'ai toujours mes crayons de couleur, et montre-moi. Alors, donc, il dessine, et puis je dis, mais ah là là, mais ça doit faire mal cette blessure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour que ça fasse moins mal? Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à ce bleu-là pour qu'il fasse moins mal? Ah ben tiens, on va mettre un petit peu de jaune, on va mettre. Voilà. Donc je déroule comme ça, donc ce que j'ai décrit dans la deuxième partie du guide, que les proches, on n'a pas besoin d'être thérapeute pour dérouler ça. Je l'ai fait enfin, je pense, de façon très didactique, très, très simple. Et que l'enfant puisse donc faire ce dessin, finalement travailler sur ce qu'il ressent, mais à distance. Déjà, ne serait-ce qu'avec cette étape-là, finalement, je lui suggère qu'il n'est pas que sa douleur. Oui, et puis tu utilises un processus qu'on utilise en thérapie narrative, c'est-à-dire on externalise, hein, c'est sur Voilà. le papier, c'est plus à l'intérieur, c'est dehors, et donc on peut Voilà. travailler sur ce qui est dehors. C'est vraiment une très belle technique. Voilà, et c'est vrai qu'on l'utilise aussi en hypnose, enfin en PNL. Et là, bon, bah, le dessin, souvent ça plaît aux enfants de faire un dessin. Alors après, je dis, bah, on va tester quand même cette douleur-là, comment elle va maintenant. Donc je fais fermer les yeux et on revient à la sophrologie. Et on met les mains comme ça sur le cœur, sur le ventre, sur la tête. Bon. Et je fais respirer tranquillement et je demande comment ça va maintenant? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on a besoin de poursuivre le dessin? De quoi il a besoin? De quoi elle a besoin de cette tristesse maintenant? Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose pour de la colère, pour autre chose? Donc, voilà comment je déroule. Et effectivement, ce protocole, c'est inspiré du Kintsugi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Voilà, donc c'est un art ancestral japonais qui consiste à sublimer un objet brisé plutôt que de le jeter. Finalement, on va le sublimer, on va le conserver, on va lui donner, le transformer. Et par de la peinture d'or. Donc voilà, on a des images comme ça de représentation du kintsugi, parfois un bol, parfois d'autres pièces de céramique. Et finalement, cette idée que cette blessure, qui ne se voyait pas, mais qui se ressentait d'une façon très forte. C'est quelque chose qui est cassé, qui est eh bien, non seulement on a le droit et on peut la recoller, la réparer, mais en plus, on peut la transformer en faire quelque chose de beau. Lui donner en quelque sorte un sens. Quand moi j'ai découvert cette image symbole de la résilience il y a quelques années, ça m'a beaucoup parlé.
Et puis c'est aussi faire quelque chose de plus précieux en fait, hein. Donc l'idée aussi du kintsugi, c'est de rendre plus précieux quelque chose qui aurait perdu de sa valeur parce que c'était cassé. Oui. Puisqu'on met quand même de l'or au Japon, c'était vraiment de l'or qu'on mettait, et donc du coup, ben, l'objet avait encore plus de valeur en fait qu'il n'en avait avant, puisque c'était déjà sur des objets de valeur qu'on faisait ça. Oui, donc effectivement. Et d'ailleurs, là, enfin, donc là, c'est sous forme d'un dessin. Et ils peuvent ensuite garder et voir finalement donner, continuer ce dessin, continuer et avoir besoin de le retrouver ou d'en refaire un autre moment. Et c'est important pour l'estime de soi aussi, hein, de dire que parfois, finalement, les blessures nous rendent plus précieux. Je prends souvent la métaphore de l'huître qui est blessée, et c'est parce qu'elle est blessée qu'elle va faire une perle. Hein, donc c'est du fait qu'elle a été blessée qu'elle va être finalement plus riche, plus précieuse. Elle a développé dans l'adversité des qualités, de l'empathie, beaucoup de choses au niveau émotionnel, et on a découvert beaucoup de choses par ce chemin-là. Alors, entendons-nous bien, on se serait bien passé de ce chemin-là. Mais tant qu'à faire, puisqu'on a dû le traverser, C'est ça. autant y prendre tout le précieux qu'on peut, hein. C'est pas l'idée de dire aux gens, oh ben, voilà, vous êtes plus riches, donc ne vous plaignez pas, hein. C'est, on se serait bien passé de ça. Ah oui. Comme on n'a pas eu le choix, comme je dis toujours, la merde, on a dû la prendre, eh bien, on va aussi prendre le précieux, puisque on peut aussi prendre le précieux de ça. Oui, c'est bien. C'est bien dit. Absolument. Voilà. Et puis, du coup, leur montrer que ils deviennent, qu'ils peuvent être acteurs en fait de ce qu'ils ressentent, acteurs de non pas subir en fait en permanence cet événement dramatique et les émotions qu'ils ressentent, le corps qui s'agite, les troubles du sommeil, etc. Mais à un moment, percevoir ce qui se passe en eux et savoir qu'il y a des réponses qu'ils peuvent apporter. Et là, ça, on en vient plutôt à la partie sophrologie où j'ai mis aussi des exercices de sophrologie bon, qui concernent la colère, la peur, la tristesse. Voilà, de pouvoir devenir, voilà, c'est le principe de la sophrologie, c'est vraiment de trouver d'apporter soi-même des réponses, hein, par la respiration, hein, des choses assez douces, des mouvements de contraction musculaire, des choses assez ludiques aussi pour les enfants, dont en général ils s'emparent très facilement, hein, quand ça leur correspond, quand ça correspond à un besoin du moment, ils s'en emparent facilement. Puis un autre aspect, donc toujours pour continuer cette réparation du cœur, entre guillemets, c'est d'aller chercher les ressources. Donc aller chercher, donc effectivement, donc tout à l'heure je disais, bon, qu'est-ce que tu pourrais mettre comme couleur sur cette tristesse pour, mais on va pouvoir aussi aller parler, évoquer de ce qui fait du bien dans la vie, ce qui fait plaisir, ce qui est agréable, et de commencer à élargir ce champ-là dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire que il a le droit aussi d'avoir de s'amuser, il a le droit d'être un enfant. Il grandit souvent trop vite avec des événements comme ça, mais lui donner cette autorisation par exemple à ne pas avoir plein de moments, il va pas penser à celui dont il a à la personne qui est décédée. Et on peut lui donner l'autorisation et lui dire que c'est pas parce qu'il n'y pense pas qu'il va l'oublier. Parce que c'est souvent, enfin, ça peut être une crainte
Ah, si je n'y pense pas, là, je vais tout oublier. Donc, lui donner cette autorisation, et construire avec lui, enfin lui, en tout cas lui ouvrir un peu des pistes, des propositions d'activités ou de choses qui vont devenir potentiellement des ressources. Et avoir un peu de patience sur le fait d'en trouver si ça vient pas tout de suite parce que voilà, bon, c'est pas, il n'y a pas non plus, on est dans des chemins qui sont longs, et donc il y a cette endurance pour celui qui accompagne d'accepter que le temps nécessaire pour l'enfant, ben, voilà, ça peut être plusieurs années parfois à tester des choses, voilà, et que ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, jusqu'à un moment où, ah bah tiens, il y a ça qui a fait du bien, et puis c'était plus facile. Le jour où j'ai vu mon fils aller à l'école sans se retourner, voilà, ça, voilà, il y a des moments où on voit que, ça y est, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui. Voilà. Donc, faut garder un peu de cette endurance pour pouvoir accompagner parfois la phase d'après. Est-ce qu'il y a d'autres points importants? Je pense que oui, il y a un autre point important, c'est que je parlais d'alliés tout à l'heure, hein, tu disais les tuteurs de résilience. C'est aussi celui qui accompagne les enfants endeuillés. Quand je dis celui qui accompagne, puisque ça peut être le parent qui reste, ou ça peut être toute personne selon la configuration, selon la personne qui est décédée, c'est que plus cette personne-là va être aussi solide et va s'occuper d'elle aussi, et plus l'enfant va pouvoir s'appuyer, et donc ça sera aussi aidant. Donc il y a l'enfant, il y a aussi l'entourage évidemment proche de l'enfant. Quand je disais s'autoriser, enfin, ou essayer des choses nouvelles, par exemple, voilà. Il va aussi observer en fait la réaction autour de lui. Malheureusement, c'est un peu culpabilisant aussi parce que quand on va pas bien, ben on peut se rajouter encore plus de culpabilité de pas arriver à faire ce qu'il faut. Bon, voilà, de rester bienveillant avec soi-même aussi. C'est hyper important, hein, l'histoire évidemment du masque à oxygène dans l'avion. C'est qu'il faut d'abord prendre l'oxygène pour soi avant de le donner à ses enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider bien ses enfants si soi-même on ne fait pas quelque chose pour soi. Et tu soulignes aussi quelque chose d'évidemment éminemment important, c'est qu'on ne peut pas toujours aller bien, même si on est parent. Ce qui est important, c'est aussi de mettre des mots avec ses enfants et de dire, ben voilà, maman est triste et c'est normal. Papa est parti, mais ça va passer. Tu sais bien qu'il y a des moments où ça va bien, où ça va mieux. Donc, c'est aussi de normaliser, de pouvoir mettre des mots là-dessus. Et c'est vrai, en parallèle, bon, de s'autoriser de temps en temps, effectivement, à ne pas aller bien, mais aussi de s'autoriser à faire un chemin thérapeutique pour soi-même. C'est aussi une bonne façon d'aider les enfants. Les enfants, ils apprennent, comme tu dis, hein, par imitation. On appelle ça aussi l'apprentissage vicariant. Hein, c'est-à-dire qu'il va apprendre évidemment à faire la cuisine, à cuire des œufs en regardant sa maman, mais il va aussi apprendre au niveau des émotions ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, comment on gère ses émotions. Comme tu disais, ben voilà, je montre l'exemple en m'émerveillant devant les escargots ou les plantes, et les enfants, ils apprennent beaucoup mieux effectivement comme ça avec cet exemple. Oui, et puis aussi à trouver finalement en réponse avec ce mouvement qu'est le deuil, je dirais ce mouvement, au départ un chaos, un mouvement dans tous les sens, dans tous les domaines, etc. Avec finalement cette recherche perpétuelle dans tous les domaines de l'équilibre au fur et à mesure, parfois qui est
interrompu par d'autres choses et qui, voilà, de cette recherche d'équilibre. Je pense que ce qui est indispensable à comprendre, c'est ce besoin d'adaptation permanent de celui qui accompagne l'enfant en deuil. S'adapter, entendre, écouter. Du coup, le poser la question de ce qui se passe pour lui, de ne pas hésiter en fait à lui demander qu'est-ce qui se passe hein, et de ne pas toujours tout remettre sur le deuil aussi. Voilà, de le laisser finalement s'exprimer à chaque étape, à chaque moment, et soi-même d'être dans cette adaptation et de pouvoir toujours aller chercher ben, éventuellement, hein, si besoin, les alliés nécessaires sur ce chemin. Un dernier point, c'est la partie de laisser aussi cette place au moment anniversaire, au moment où, oui, il y a ces attaques de deuil qui se présentent. C'est une expression qui m'a beaucoup parlé quand je me suis formée au deuil chez Empreinte, l'association. Et les attaques de deuil, je trouve que c'est très, très fort. Et voilà, quand elles se présentent, bah, qu'on puisse aussi pas les interdire, en fait, laisser. Les émotions qui se présentent s'exprimer pour l'enfant et éventuellement proposer des petits rituels, par exemple, est-ce que ça te ferait plaisir qu'on allume une bougie pour dire un mot, voilà, peut-être à un anniversaire. Et jamais l'imposer, toujours proposer. Proposer, est-ce que tu veux mettre une photo ou pas? Est-ce que tu veux allumer, enfin, est-ce que tu veux dire un mot à haute voix ou dans ta tête ou pas? Les enfants, ils sont très clairs, hein, ils vont dire oui, non, pas maintenant, demain. Hein, voilà. Ils auront des réponses extrêmement claires. Si soi-même on est dans un silence total, on interdit finalement toutes, ils vont aussi respecter. Donc on peut penser que finalement tout va bien en quelque sorte, il ne se passe rien. Mais on saura pas forcément la personne à qui l'enfant va parler. L'important, c'est qu'il est, si jamais le parent qui reste, par exemple, ne se sent pas en mesure d'accueillir ou d'avoir ce genre de discussion, l'important, ça va être de trouver. Qui va être le bon tiers pour que quand même il y ait un espace, qu'il y ait un espace où il est le droit de dire qu'il va pas bien, où il est le droit de parler de la personne qui n'est plus là et dont il a besoin, envie de parler par moment, sans lui imposer toujours d'en parler, d'avoir des mausolées à la maison ou des choses. Voilà, c'est toujours s'adapter, être dans cette recherche d'équilibre et de en permanence qu'il faut reconvoquer, réinterroger à chaque fois. Voilà. C'était très riche. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que nous passions à ton actualité prochaine? Non, écoute, je crois que, enfin, j'espère avoir donné des éléments de réponse. Bien sûr, dans ce livre-là, Répare mon cœur, moi, je n'évoque pas les phases du deuil, je suis vraiment dans cette partie pratico-pratique, finalement, pour laisser s'élaborer cette discussion. Alors, il y a d'autres livres faits par des psychologues qui permettent de répondre à des questions, à d'autres aspects importants. Oui, c'est vraiment Voilà. ton bouquin, c'est vraiment un guide pratique pour aider les proches au quotidien et comme on l'a dit aussi, les thérapeutes qui peuvent être aussi un peu à court d'outils. Et alors, tu vas bientôt publier un livre, donc en septembre 2022, Le train de mes pensées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui. Donc le train de mes pensées, là on est sur un sujet qui revient souvent
en séance. C'est les petits rêveurs, disons, les rêveurs, ceux qui en classe ont plutôt la tête dans les étoiles que sur le tableau. Et donc, bon, quand ils arrivent en CP, certains enfants se retrouvent aussi confrontés à la réalité de l'école, parfois c'est dès la grande section, hein. Donc, comment je fais quand j'ai besoin de me concentrer, voilà, de mobiliser mon attention. Et donc, pareil, il y a une partie conte, hein, c'est pour les petits, hein, c'est 3-8 ans, le train de mes pensées qui m'emmène voyager, en fait, un peu à n'importe quel moment. Et parfois, j'ai besoin de lui dire d'arrêter de se garer, hein, parce qu'il m'emmène voir des paysages extraordinaires. Mais voilà, c'est pas toujours le moment, disons. Donc, comment j'ai fait? Là, il y a une partie pratique avec des exercices principalement issus de la sophrologie pour se concentrer, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qui m'empêche déjà de me concentrer? À quoi je pense? Quelles sont toutes ces pensées qui me traversent et qui m'empêchent de regarder le tableau? Et de valoriser aussi. De valoriser en fait cette richesse intérieure parce que souvent, je ne sais pas si c'est souvent, c'est ce que moi j'observe dans le cadre de ma pratique, dans mon expérience aussi personnelle, c'est que les enfants distraient, on peut les. Leur reprocher, en fait, leur reprocher d'être dans la lune, ça devient très négatif, en fait. Alors, moi, j'ai pour habitude en séance de commencer en leur disant à quel point c'est extraordinaire d'avoir peut-être une telle imagination qu'ils sont obligés d'aller suivre toutes ces pensées. Je trouve qu'il faut. Voilà, parfois, la confiance en soi, on perd confiance en soi quand on a un problème de concentration. Mais c'est important aussi de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans la vie d'enfant? Ça peut mener aussi à d'autres choses. Comprendre qu'est-ce qui fait à un moment qu'on n'arrive plus à se concentrer. Parfois, voilà, on arrive sur d'autres choses plus lourdes, hein, y compris un deuil. Et puis aussi, les troubles de l'attention parfois vont nécessiter un accompagnement, d'aller faire des tests, d'aller vérifier auprès un pédopsychiatre ou neuropsychologue. Voilà, donc si les techniques finalement, les techniques de sophrologie, y compris de méditation, de se revenir dans la présence, hein, par des petites techniques comme ça. Parfois, ça suffit. Parfois, parce qu'on va faire une séance, on va voir, ou plusieurs, ou un accompagnement, disons, on va voir qu'en fait, ça ne suffit pas et peut-être qu'il faut creuser le sujet avec des spécialistes, qui pourront aider autrement. Même quand ça ne suffit pas, ça peut être un très bon adjuvant aussi à d'autres prises en charge. Voilà, ça peut être complémentaire, mais c'est vrai que ça peut être. En tout cas, ça donne des indications. Quand en séance, on observe en fait que les exercices, qu'après quelques séances, il n'y a pas trop de changements ou que c'est vraiment très compliqué à mettre en place, etc. Bon, parfois, on observe que là, il y a un accompagnement complémentaire qui va être requis, quoi. Mais voilà, donc là, c'est des petites techniques, encore une fois, que les parents puissent aller puiser, proposer aux enfants, hein, de manière ludique, hein, que ce soit éventuellement une porte d'entrée, après, pour, si besoin, aller voir quelqu'un, être accompagné, aider sur ce sujet-là, si besoin. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Caroline.
Donc, on rappelle le titre de tes deux livres déjà sortis, c'est Répare mon cœur et Petite coccinelle et la valise du sommeil, et celui qui va bientôt paraître, Le train de mes pensées. Un grand merci à toi. Merci beaucoup, Evelyne, c'était un plaisir. Merci beaucoup.